Bonjour et salut à tous, et voilà, aujourd'hui nous sommes le 5 décembre. Hier, je vous ai présenté simplement ma toute première figurine de l'univers Marvel. Et là, du coup, voilà, je voulais rester un petit peu sur la thématique du passé, voilà. Toujours dans la même année, à peu près en 2011-2012, dans ces eaux-là. C'est vraiment l'année où j'ai commencé à m'intéresser aux super-héros. Et donc là, je vais vous présenter simplement mon premier comics. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo dédiée aux 4 Fantastiques, mais voilà, vous savez très bien que les 4 Fantastiques, c'est des personnages qui me tiennent à cœur. C'est aussi par là qu'est commencé mon envie de suivre les super-héros. Alors, c'est un bouquin des 4 Fantastiques, voilà, un Marvel Icons numéro 12. À l'époque, il coûtait 4,60€. Au jour d'aujourd'hui, il doit coûter même pas 2€. Voilà, donc à savoir que dedans, il y a à la fois les 4 Fantastiques, une mini-série sur les Young Avengers, une mini-série sur Captain America de Bucky. Voilà, oui, on en revient toujours au même. L'époque 2012, c'était Captain America Bucky. Et un truc sur les New Avengers. C'est pour ça aussi que j'aime bien les Young et les New Avengers, parce que ça fait partie de mon tout premier comics. Donc voilà, vous savez voilà, que mes comics sont toujours dans mon décor et que celui-là a toujours été là. Donc voilà, vidéo très courte encore une fois, mais voilà, vous savez que c'est le format calendrier de l'Avent. Et moi je vous dis ciao à tous, à demain pour le numéro 6.